L'étude de la Torah. Alors, on va parler très rapidement de l'étude de la Torah, mais de façon condensée, parce que c'est très important. Tout d'abord, le Nefesh HaChaim explique. Vous savez que le Nefesh HaChaim, c'était l'élève du Gaon de Vilna, qui a écrit un livre très important, qui s'appelle le Nefesh, l'âme de la vie. Je crois qu'on traduit le Nefesh HaChaim, oui, l'âme de la vie. Pour expliquer l'importance de la Torah, c'était dans un moment historique tout à fait précis, où c'était le moment d'éruption du chassidisme, qui avait mis beaucoup plus l'accent dans le cœur, l'émotion, les tehillim, la foi, et qui c'était une réaction, une sorte d'intellectualisme très poussé dans les yeshivot, qui avait peut-être été un peu trop élitiste et qui avait mis de côté le peuple. Et le chassidisme a amené un message d'ailleurs magnifique en disant que chaque juif en tant que juif, même s'il ne sait pas étudier la Torah, s'il prie Dieu, même en ne sachant, vous connaissez tous la fameuse histoire chassid, qu'avait une fois quelqu'un qui ne savait même pas lire l'hébreu, donc il ne pouvait même pas prier. Un maître chassidique lui dit, c'est pas grave, dis Aleph, dis les lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Et donc il disait les lettres de l'alphabet avec une telle ferveur que Dieu prenait ses lettres et les assemblait et faisait une prière au ciel. Donc c'est vrai, c'est magnifique. Mais il ne faut pas institutionnaliser l'échec. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. C'est ce qu'a voulu faire le Nefesh HaChaim, de dire, à un moment donné, il faut faire très attention aussi de ne pas institutionnaliser l'étude. C'est qu'à un moment donné, Dieu est toujours partout. Si vous vous adressez à Dieu avec le cœur, même si vous ne connaissez rien à la Torah, Dieu répondra, c'est sûr. Si quelqu'un a une foi absolue et qui fait des actes désintéressés, Dieu est toujours là, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire Dieu préserve, que ça veut dire qu'il ne faut pas étudier la Torah. Au contraire, l'étude de la Torah, c'est l'essence même, le cœur palpitant du peuple juif. Et le Nefesh HaChaim, voulant répondre à ce défi chassidique, en tout d'ailleurs, Elou Elou qui livre le Kim Chaim, ici on n'est pas dans une guerre, on est dans une discussion intéressante. Les deux sont vrais. C'est sûr qu'il faut avoir cette simplicité en rapport à Dieu. C'est sûr qu'un rapport à Dieu dépasse des fois l'intelligence, bien entendu, l'aïmouna, etc., Keter, au-delà du savoir, au-delà de la Trochma, on est d'accord. Mais il n'empêche que l'étude de la Torah est la colonne vertébrale de l'identité juive. L'étude de la Torah est la colonne vertébrale de l'existence d'un juif. L'étude de la Torah est indispensable pour travailler et grandir spirituellement. Et donc, le Nefesh HaChaim m'explique, de façon très très profonde et très poussée, que l'étude de la Torah, bien au-delà d'un savoir intellectuel, justement, est ce qui permet au monde d'exister. C'est-à-dire que sans le souffle de l'étude de la Torah, il n'y aurait pas de monde. L'énergie sur laquelle le monde existe, c'est l'énergie de l'étude de la Torah. La Torah fait le lien entre l'homme et Dieu. La Torah est la courroie, la passerelle spirituelle qui fait passer du bas vers le haut le souffle humain vers Dieu, qui a accepté que l'étude de la Torah, c'est le plus beau sacrifice, qui est accepté comme un sacrifice nachat ruach, qui donne du plaisir, kebiyachol, à Dieu. Et d'un autre côté, c'est grâce à cette étude de la Torah, qui est comme une passerelle, qui fait passer l'énergie céleste dans laquelle le monde, l'univers entier peut vivre. Quand vous étudiez la Torah, sans s'en rendre compte, on est en train de faire exploser une galaxie là-haut à droite, à des milliards, millions d'années-lumière. Quand on étudie la Torah, on protège, on participe à la densification de l'atmosphère pour nous protéger des comètes. Quand on étudie la Torah, on amène de la bénédiction au monde. Quand on n'étudie pas la Torah, on amène la famine et le malheur dans le monde. La Torah est véritablement l'énergie divine qui est donnée à l'homme pour canaliser les flux divins de bénédiction dans la planète Terre et dans tout le cosmos. La Torah a un statut fondamental. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est au niveau métaphysique, au niveau en soi. La Torah en soi est la raison même pour laquelle le monde a été créé. Bereshit, Dirachit, Reshit, c'est Torah, Israël. Le monde entier a été créé pour la Torah. Donc l'étude de la Torah, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un juif. Il n'y a rien de plus important. Nimut Torah, Keneget, Kulam. Comme il est écrit dans la Torah elle-même, l'étude de la Torah vaut toutes les autres mitzvot réunies. Et plus. Plus que ça. On nous dit que la seule façon d'avoir le Olam Haba, la seule façon d'avoir le paradis, c'est l'étude de la Torah. Celui qui ferait toutes les mitzvot du monde, mais qui n'étudierait jamais la Torah, n'aura pas de paradis. Ça paraît très cruel comme ça, mais c'est comme ça. Alors vous allez me dire que quand je fais une mitzvah, je fais de la Torah. Parce que je ne fais pas une mitzvah, une bonne action, si je n'ai pas compris que c'est important de la faire. Donc il y a la Torah dans mon acte. Mais c'est cette Torah, bien entendu. C'est vrai. Et donc il y aura, oui, le paradis. Mais pas simplement à cause de l'acte. L'acte, c'est comme les meubles. La Torah, c'est l'espace qui crée le paradis. C'est le lieu du paradis. Les mitzvot, les bonnes actions, c'est les meubles. Mais quelqu'un qui a un meuble sans appartement, il se retrouve dans la rue avec ses meubles. Les meubles les encombrent plus qu'autre chose. Ça ne sert à rien des meubles dans la rue. Donc ce qui fait le lieu où les mitzvot vont pouvoir exister éternellement, c'est l'étude de la Torah. Sans l'étude de la Torah, il n'y a rien. Maintenant, c'est vrai que quand je fais une mitzvah, je donne la tzedaka.
j'aide quelqu'un à traverser la rue, je fais du recel à quelqu'un. C'est pas qu'une bonne action, c'est aussi de la Torah. Parce que je ne le ferais pas si je n'avais pas compris que c'était important. Or, cette compréhension que c'est important, c'est l'étude de la Torah elle-même. Donc il y a l'étude de la Torah partout, c'est vrai. Mais il faut comprendre que d'un point de vue fondamental, ce qui nous fait gagner le Olam Haba, c'est l'étude de la Torah, c'est pas les mitzvot. Les mitzvot décorent le Olam Haba. Ce n'est pas ça qui fait le kinyan du Olam Haba. L'acquisition du monde futur, c'est que la Torah. Bon, alors pourquoi ? C'est très simple. Parce que la lumière de la Torah nous fait passer de l'état animal à l'état céleste. Étudier la Torah, c'est changer sa façon de voir le monde. Tant qu'on n'est pas... Et d'ailleurs, c'est très dangereux, c'est des personnes qui étudient la Torah, mais qui projettent tout le temps leurs idées dans les textes, ils n'étudient pas la Torah. Étudier la Torah, c'est une capacité de s'ouvrir à un horizon conceptuel, à une luminosité du sens, qui est divin en essence, et qui va imprimer mon âme et ma conscience. C'est-à-dire se faire coloniser par la lumière de Dieu. Or ça, ce n'est que par la Gemara qu'on peut y arriver. Le Talmud génère, structure une pensée humaine qui est différente de toute pensée. La Gemara, celui qui étudie la Gemara, celui qui étudie le Talmud, il va rentrer en lui une façon de penser qui n'a aucun rapport avec la nature humaine de penser. Il va se métamorphoser intellectuellement. Et donc, mimélé, par conséquence, il va se métamorphoser spirituellement. Or, il n'y a pas. Et donc, l'homme, à ce moment-là, devient divin. Il devient Olam Haba. Olam Haba, il faut bien comprendre. Olam Haba, ce n'est pas un lieu géographique. Olam Haba, ce n'est pas qu'on va prendre une fusée. Olam Haba, c'est moi transformé en lumière divine qui peut éviter et qui peut vivre éternellement. Mais il faut que je sois transformé en lumière divine. Si j'ai toujours pensé de toute façon à la bâtiche, comme un bête, comme un idiot, un plus un fond deux, comme un épicier quartier, j'ai toujours pensé selon... structuré par la matière, par la société. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur la mama? Il n'y a rien, c'est pas mon lieu. Ça n'a aucun rapport. Alors c'est ça le guignol, c'est ça l'enfer. C'est quelqu'un après la mort, il se retrouve dans l'absence de lui-même dans sa définition d'éternité sublime. Et c'est pour ça que c'est l'image du feu, le guignol. Il n'y a pas de feu au guignol, je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas de feu au guignol. L'enfer n'est pas fait de flammes. Il y a bien pire que le feu. Le feu, c'est le sens que ça consume tout, ça détruit tout. Alors c'est quoi ce feu? C'est quoi la symbolique du feu? C'est que je vais être détruit par l'absence de moi-même. Je vais vivre ma destruction. Sur Terre, je n'ai pas été capable d'étudier la Torah. Sur Terre, je n'ai pas été capable de faire des actes qui dépassent la nature. Sur Terre, je n'ai pas pu m'illuminer d'une pensée qui n'est pas terrestre, qui ne fait que des choses que par intérêt, que dans le plaisir immédiat, que dans la bestialité, que dans la socialité. Je n'ai été qu'un animal social. J'arrive là-haut, je ne peux pas. J'arrive dans une référence qui est complètement nouvelle, où n'existe que la lumière divine. Or, la personne n'a plus de lumière divine. Qu'est-ce qui lui reste? L'absence de cette lumière divine. Or, c'est ça le guéhinnom. C'est la brûlure de cette absence elle-même. La Torah, l'étude de la Torah, permet de sauver l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle rentre en lui. Elle rentre en lui de façon essentielle. Il devient lui-même un Ben Torah. La Torah devient Torah d'idées, dit l'Agma. Ça devient sa Torah. Vous savez que, d'après la Halakha, un roi n'a pas le droit de dire à ses sujets « Ne vous levez pas quand je rentre. » Parce qu'il n'est rien, lui. Il n'est qu'un instrument de l'autorité toraïque. Il se doit des droits. Un roi doit imposer la crainte à ses sujets. Il n'a pas le droit de choisir. Il ne peut pas être humble, un roi. Il doit être humble intérieurement, mais il ne peut pas dire « Je passe outre mes privilèges de roi. » Non, non. On t'est payé pour ça. T'es payé pour inspirer la crainte, inspirer le respect. Mais un Talmid Chacham, quelqu'un qui connaît toute la Torah, il peut dire « Ne vous levez pas quand je rentre. » J'aime pas le kavod. On pourrait lui dire, le rétorquer, mais on se lève pas pour toi, monsieur. On se lève pour ta Torah que tu as étudiée. Donc toi, t'as rien à dire. On se lève pour ta Torah. Non, non. La Gemara dit, il a le droit de dire, et on n'a pas le droit de se lever s'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que Torah d'idée, c'est sa Torah. Il est devenu lumière, il possède maintenant cette lumière. Il est lui-même devenu lumière. C'est pour ça que quand il meurt, il a Olam Haba de façon naturelle. Il est lumière, il baigne dans la lumière céleste, puisqu'il est lui-même lumière. La Torah, l'étude de la Torah permet à l'homme de devenir lumière. Et il faut bien comprendre, vous savez que dans le livre de la Torah, dans le Sefer Torah, vous avez des lettres noires sur du gvil, sur du parchemin blanc. Et on dit que dans le Midrash, qu'au ciel, il y a un feu blanc, et sur la Torah, elle existe au ciel avant la création du monde, et qu'elle était comme un feu blanc
avec un feu noir dessus écrit. La Torah a toujours existé. Or, si on a un Sefer Torah où deux lettres se touchent, tout le Sefer Torah est pas soudain. Pas à cause des lettres. C'est pas un dîne dans les otiotes. Les lettres, elles sont lisibles même si elles se touchent. C'est un dîne dans le blanc. C'est une méchika, c'est un effacement du blanc. Du blanc. C'est-à-dire qu'il y a une écriture. La Torah, elle est lisible à deux niveaux. On peut lire au niveau du noir, on peut lire au niveau du blanc. Les grands kabbalistes ne lisent plus le noir, ils lisent que le blanc. Il y a une façon de lire le blanc. Bon, c'est quoi ce blanc? Ce blanc, c'est l'infini. Quand vous êtes devant une page blanche, il y a une infinie possibilité d'écrire ce qu'on veut dedans. Le blanc, c'est la matière infinie du sens. C'est l'infinie possibilité de commenter un texte. C'est l'infinie possibilité conceptuelle inhérente à toute parole véritable de Torah. C'est quoi les otiyot, le noir? C'est les tsurot. Tsurot, ça veut dire les formes pures de vérité. Or, sur chaque lettre de la Torah, sur beaucoup de lettres, il y a des tagim. Tagim, c'est des couronnes. Or, dit le Maharal, ces couronnes, c'est pour faire le lien entre la tsura, le noir et le blanc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'étudier la Torah, quelqu'un qui ne étudie la Torah et qui limiterait ce qu'il a compris à l'évidence du texte, au sens obvié du texte, il serait que dans le noir, que dans les lettres noires. Voilà, j'ai compris ce que j'ai compris, c'est pas la Torah. Quelqu'un qui serait que dans le blanc, un créateur d'idées, quelqu'un qui penserait toujours mais de lui, mais qui n'épouserait pas, qui ne passerait pas par l'initiation. Commencer à savoir étudier la Torah, ça prend minimum 10 ans. 5 ans pour les génies, tous les cas 3-4 ans minimum. 5 ans pour les génies, 10 ans pour les gens très intelligents, 20 ans pour les gens normaux. Avant ça, on doit se taire. Avant ça, on étudie. On doit prendre la forme. On doit être imprimé par la forme noire. On doit accepter la vérité telle qu'elle est. On doit se modifier. On doit être déterminé, sculpté par la parole divine. Mais après, ça ne suffit pas. Si quelqu'un il connaît toute la Torah, mais qui ne fait que répéter la Torah, elle a le culot de l'appeler Hamor Nosses Farim. C'est un âne qui porte des livres. Ah, il connaît toute la Torah. C'est honteux de parler comme ça. Oui, c'est un âne qui porte des livres, parce qu'il a été incapable de lier ce savoir à lui-même, au blanc. Alors c'est quoi le blanc? Le blanc, c'est l'infinie possibilité de commenter ce que j'ai compris. Il faut les deux. Si quelqu'un n'est que dans le noir, c'est un âne. Il ne fait que répéter ce qu'il a entendu, on n'a pas besoin de lui, on sait. S'il n'est que blanc, il est vide, il est nul. C'est-à-dire, il est toujours en train de créer des idées, des possibilités, des efcharouillottes. Mais il n'a rien appris, ça ne vaut rien. C'est la pensée banale. La pensée de l'opinion, je pense comme ça, je pense. Il y a des gens qui sont tout à l'heure en train de penser. Je pense que c'est comme ça, et pourquoi diront pas comme ça? Les gens même qui sont payés pour ça. Pour penser à toutes sortes de possibilités. Il y a des grandes entreprises qui payent des dizaines de milliers d'euros par mois, des gens pour penser. Très bien, ça c'est pour l'égoïme. Mais ça ne vaut rien. Pourquoi est-ce que c'est que du blanc? C'est une pensée qui vient du bas. Aucun intérêt. Une possibilité, c'est blanc, c'est vide. C'est blanc. C'est juste une possibilité de dire des idées. Moi, je vous en dis 20 idées en une seconde. C'est pas un problème. Mais ça vaut rien, c'est nul. Là où c'est génial, c'est quand on a les tagim, les couronnes. C'est-à-dire que quand l'idée que je formule est une idée qui vient de Dieu, qui vient de la forme pure, de la forme détachée, qui vient de la vérité. Mais que cette vérité, quand je la dis, je ne la redis pas telle qu'elle. Je la dis alimentée du blanc, alimentée d'une infinie possibilité d'explication. Ça, c'est génial. Ça, c'est l'homme Torah. Ça, c'est le Ben Torah. C'est le Baal Chidush. C'est celui qui, en même temps, peut être l'écho de la parole divine, mais qui, à l'intérieur même de cet écho de la parole divine, est capable de sous-entendre une infinité de possibilités de sens qu'il commence à articuler par sa propre réflexion qu'on appelle le Chidush, la nouveauté, le Sfara. L'idée, ça c'est magnifique. Quand on a cette dialectique entre le noir et le blanc, on est véritablement dans la Torah. Or, cette possibilité n'existe que d'une seule façon, par l'atmada. Atmada, ça veut dire par l'assiduité constante de l'étude. L'assiduité, ne jamais arrêter. Et les gens étudient la Torah tellement, bon, Hachem, ils arrêtent une demi-heure, ils sentent mal. Une sorte de drogue spirituelle, métaphysique. C'est fini, quand ça arrivait pour les gens qui ont étudié la Torah très fort, ils étudient la Torah, ils sont obligés d'aller dans une brique pila, dans une réception, ils ont l'impression qu'ils perdent leur vie. Parce que l'étude de la Torah, c'est une énergie tellement forte, c'est une excitation existentielle tellement haute, c'est un rapport avec Dieu tellement fort que ça dépasse tout. L'atmada, c'est un écoute constante, c'est ça qu'arrache l'homme de la nature, c'est ça qu'arrache l'homme de la malédiction de l'être, c'est ça qui fait que l'homme est un reflet de Dieu, c'est ça qui permet de faire le lien entre le noir et le blanc, à le vaille et nous, colle tout.